la perception est première dans l'accès au monde environnant. Si la perception qui est première est altérée dès le début de la vie, il y a fort à parier que, en cascade, tout un ensemble de comportements, de communications, de relations, d'être au monde vont être altérés également. Par défaut d'utilisation de l'accordage oculaire, du regard, du contact par le regard, du fait de cet évitement précoce sensoriel qui entraîne un évitement relationnel, les enfants autistes vont être peu compétents dans la compréhension des indices physionomiques et ils vont peu les utiliser dans leur vie courante. Si, dès le début, le plus tôt possible en tout cas, on habitue les enfants autistes à percevoir un environnement au ralenti, on va lui permettre précocement d'extraire des informations pertinentes et devenir plus compétent dans les échanges et les domaines qui nécessitent une bonne compréhension, une bonne analyse perceptive du monde environnant.